Bonjour. Mais qui suis-je? Écoutez la suite de l'histoire et vous le saurez. Maître Corbeau sur un arbre perché tenait en son bec un fromage. Renard par l'odeur alléché, lui tint un peu près ce langage. Et bonjour monsieur du corbeau, que vous êtes joli, que vous me semblez beau. Sans mentir, si votre ramage se rapporte à votre plumage, vous êtes le phénix des hôtes de ces bois. À ces mots, le corbeau ne se sent plus de joie, et pour montrer sa belle voix, il ouvre un large bec et laisse tomber sa proie. Le renard s'en saisit et dit: apprenez que tout flatteur vit au dépens de celui qui l'écoute. Cette leçon vaut bien d'un fromage sans doute. Le corbeau, honteux et confus, jura: mais un peu tard qu'on ne l'y prendrait plus. Cette histoire vous a plu? Bien, mais c'est celle racontée aux enfants. Voici la véritable histoire du fromage. Maître Corbeau, sur un arbre perché, tenait en son bec un fromage. Maître Renard, par l'odeur alléchée, lui tint à peu près ce langage. Bonjour, monsieur du corbeau, que vous êtes joli, que vous me semblez beau. Sans mentir, si votre ramage se rapporte à votre plumage, vous êtes le phénix des hôtes de ces bois. BAM!